¿Qué más quieres de mí si he pasado esta prueba de tu amor? Y no tengo el valor de escapar para siempre del dolor. Demasiado pedir que sigamos en esta hipocresía. ¿Cuánto tiempo más podré vivir en la misma mentira? Ya no puedo seguir resistiendo esa extraña sensación que me hiela la piel como invierno fuera de estación. Tu mirada en la mía, ignorándose en una lejanía. Todo pierde sentido. Y es mejor el vacío que el olvido. No, no vayas presumiéndolo, que me ha robado el corazón y no me queda nada más. Sí, prefiero ser un perdedor que te lo ha dado todo y no le queda nada. Quieres de mí si he pasado esa prueba de tu amor. J'aimerais vraiment discuter avec toi. Mais pas ici. Allons dans un autre endroit. Oui, bien sûr. Allons-y. Ya no puedo seguir resistiendo esa extraña sensación que me hiela la piel como invierno fuera de estación. Je ne sais pas ce que tu as dit à Montserrat, mais félicitations. Ça a très bien marché. Qu'est-ce qu'il y a, Montserrat? Tu voulais me parler de quoi? C'était qui cette femme qui était avec toi au café au bord de la mer? Juste une amie, pourquoi? Une amie? Et elle s'appelle comment? Esmeralda. Esmeralda comment? Je sais pas, je m'en souviens plus. J'espère que tu ne t'imagines pas quoi que ce soit. Je te jure que c'est juste une amie. C'est qui au juste? Pourquoi tu veux absolument le savoir? Je viens juste de la rencontrer. Bien, je vous ai vus tous les deux en train de discuter. Vous parliez de quoi? Elle m'a raconté son histoire. C'est une femme qui n'a pas eu beaucoup de chance dans la vie. Elle m'a raconté qu'elle était tombée amoureuse d'un homme qui devait l'épouser, mais qui lui a fait faux bond. Merci. Merci pourquoi? D'avoir été jalouse. Non. Non. Je ne suis pas jalouse du tout, enfin. Ah bon? Non. C'est quoi alors? Eh bien, seulement... En fait, c'est juste que l'autre jour, j'ai vu cette même femme et cette fois, elle était avec mon frère. C'est pour ça que je ne lui fais pas confiance, c'est tout. Ah. Voilà. Voilà. Tu sais quoi? Moi aussi. Je serais jaloux si je te surprenais en train de discuter avec un autre homme. Bon, je retourne à la soirée. D'accord. Salut. Elle est jalouse. Tout va bien? Je croyais que ma fille était ici avec vous. Elle vient tout juste de partir. Je suis très contente que vous soyez venue, Alessandro. Alors, quand retournez-vous dans votre hacienda, finalement? Je ne sais pas. Je vous conseille de rester encore un peu. Encore une semaine au grand minimum, d'accord? Montserrat vous aime vraiment beaucoup, vous savez. C'est vrai. Il n'y avait aucune empreinte sur l'arme. Et c'est vrai, l'arme était enregistrée au nom de Bruno Gamboa. Eh bien, je sais que je n'ai pas besoin de dire ça, mais il va falloir qu'on procède avec la plus grande discrétion. Nous comprenons tout à fait. Bien entendu, vous pouvez compter sur nous. Merci, Pedro. Je vais vous confier José Luis Alvarez pour que vous le transfériez dans une autre prison à Mexico même, dans l'attente de son procès. Mais il est extrêmement important de le sortir d'Agua Azul en faisant le moins de bruit possible. Évidemment, mon capitaine, la mairie de cette ville et la police d'Agua Azul vont coopérer avec la marine pour que tout se passe le mieux du monde. Merci beaucoup. Maintenant, excusez-moi, il faut que je retourne tout de suite à la réunion. Ah,
Félicitations, Pedro. C'est vrai que votre femme a énormément de talent. Messieurs, bonne journée. Quel dommage que Robledo ait arrêté ce soi-disant Alvarez avant nous. Encore une fois, ils veulent me ridiculiser. Ces marins récoltent tous les lauriers. Je ne parle pas de ça. Je parle de l'officier Alvarez qui aurait été parfait pour nous en infiltré dans la marine pour que personne ne s'occupe de nos affaires. Tu le connais, cet Alvarez? Non, je l'ai jamais vu. Dès qu'il te l'amène, parle-lui. Je veux que tu lui proposes de nous rejoindre en échange de sa liberté. On a besoin de gens comme lui. Et s'il n'accepte pas? Tu le tues. S'il n'accepte pas, il ne nous servira à rien. Je t'avais dit non. Non, mais écoute, mon amour. Écoute-moi. Je ne peux pas garder tout cet argent chez moi et... Si tu m'aimes vraiment autant que tu le dis, tu vas devoir le garder pour moi. Pour toi, je serai prête à quitter Agua Azul si mes parents ne veulent pas qu'on soit ensemble. Mon Serra. Il faut que je trouve un moyen de lui faire savoir que je suis ici. Lui dire ce qui se passe. Quel plaisir de vous croiser ici, Almonte. Vous vous amusez bien. Je vous remercie, ça va. Parfait. J'espère que cette petite fête nous réconciliera après notre dernière altercation. Vous inquiétez pas pour ça, ça fait partie du business. Oui, oui, c'est vrai. Mais qu'est-ce que tu veux? Je te parle. Je veux te parler un moment, mais pas ici. Où ça? Adolfo. Tu es arrivé quand? Ce matin. Waouh, Montserrat, t'es magnifique. Merci, Adolfo. Non, mais c'est vrai, regarde-toi un peu. Et lui, alors? Il se tourne toujours les pouces? Évidemment, tu penses. Tout fonctionne à merveille, Carlotta. Alessandro m'a dit qu'il dînerait avec nous à la maison demain soir. Mais dis-moi, qu'est-ce que tu as dit à Montserrat pour qu'elle change d'avis? Je me suis intéressée à elle. C'est ce dont elle a besoin en ce moment. Tu sais qui est ce jeune homme à côté de Dimitrio? C'est Adolfo. C'est le frère de Nadia, il rentre juste du Brésil. Oh, c'est lui qui est fou. Avec lui, je sens que Dimitrio va faire encore plus n'importe quoi. Non, arrête s'il te plaît. Je n'ai pas envie d'en parler. Tu sais, je t'ai déjà dit que t'étais magnifique, mais franchement, tu pourrais être 1000 fois plus sexy si tu apprenais à danser la samba. Regarde, non, Adolfo, arrête. Adolfo, s'il te plaît, Pedro va s'énerver si tu ne te tiens pas correctement. Ma sœur chérie, franchement, tu devrais te détendre un peu, toi aussi. Regarde-toi, tu es devenue tellement... Arrête tout de suite, ça suffit. On va dans le jardin prendre quelques verres. Toi, tu viens avec moi. Allez, merci. Oh là là, ça me fait plaisir de te voir. Alessandro, viens. Viens avec moi, de ce côté. Le Brésil, tu te rends pas compte à quel point c'est génial. Montserrat, je te jure, je passais mes jours et mes nuits à faire la fête, du matin jusqu'à... Adolfo, oh. Je te présente Alessandro. Alessandro, Adolfo. Enchanté. Crois-moi, Montserrat, c'est vrai ce que je t'ai dit. Tu es de plus en plus belle. Quand j'ai vu ton corps de rêve, enfin, ton visage, arrête. Je voulais dire, mais si. Bon, dis-nous plutôt ce que tu as étudié là-bas, au Brésil. L'anatomie. Ah! Je parle de l'anatomie des femmes, évidemment. J'étais au Brésil quand même. Oh non, mais il n'y en avait pas vrai. Une qui t'arrivait à la cheville, je te jure. Calme-toi un peu. Tu ne vois pas que tu la mets mal à l'aise avec tes histoires? Pour information, je la connais depuis que je suis un petit garçon. Donc tu as le droit de dire n'importe quoi? Et en quoi ça te dérange, hein? Calme-toi, Adolfo, calme-toi. Quoi? Viens, on va par là. On va rigoler avec verre. Ta sœur. Viens, on se connaît depuis tout petit. Allez, ça bon, va, arrête. Monsieur? Oui, merci. Non, c'est gentil. Bon, d'accord. À la tienne. Santé. Je voulais te dire, ta mère m'a... Elle m'a invité à dîner chez vous demain. Ça te dérange? Non. Bien sûr que non. Quel dommage que votre mari ne soit pas là. Montserrat me disait que ça allait mieux.
Oui, mais pas encore assez pour venir aux soirées. Je l'ai déjà dit à Nadia et maintenant je vous le dis directement à vous. Je tiens à ce que vous sachiez que tout le monde dans ma famille a voté pour vous. Nous sommes très heureux que vous soyez notre nouveau maire. Vraiment, nous sommes ravis. Tu m'oublies. Je n'ai pas voté pour lui. Oh, désolée, mais j'ai voté pour celui qui me plaisait le plus, c'est tout. C'est tout à fait votre droit. Je ne vous en veux pas. Tu me laisses un petit instant? Oui, oui, bien sûr. Non, mais qu'est-ce que tu veux? Je voudrais que tu me rendes un service. Alors dis-moi, tu es déjà devenue amie avec Alessandro Almonte? Oui, on est très bons amis. Ah, parfait. Alors écoute-moi bien, si jamais il te demande si tu connais une femme qui s'appelle Esmeralda, ne lui dis pas que tu la connais. De quoi tu parles? Tu sais, c'est cette femme qui est venue à la maison me dire des choses à propos de José Luis. Eh bien, il s'avère que je l'ai vue également cet après-midi. Elle était en bord de mer en train de parler avec Alessandro. Cette femme connaît Alessandro? Oui. Ouais. Et j'aimerais simplement savoir si tout ce que cette femme était venue me dire était vrai ou pas. C'est pour ça que j'ai parlé d'elle à Alessandro. Non mais tu es folle ou quoi? Ne va surtout pas parler de l'officier à Alessandro. Mais non, bien sûr, je ne lui ai pas parlé de ça, je lui ai seulement parlé de la femme. Je lui ai raconté que je voulais savoir qui c'était parce que je l'avais déjà vue avec toi. Ne t'inquiète pas. D'accord, je vois. Montserrat, mon mari voudrait te rencontrer. Tu peux faire ça? Eh, bien sûr que je peux. Cette fête est trop nulle. Évidemment, c'est ton beau-frère qui l'a organisée. Eh, viens, on se tire. Où ça? T'inquiète, ça va te plaire, je te jure. Ça va te plaire. Allez, viens. Merci, ma belle. Dimitrio, bien joué, mon pote. C'est une super idée. Merci de m'avoir amené ici. Regarde-moi ça. Elle danse bien, cette jeune fille de bonne famille. Dès qu'elle aura fini de danser, je te la présenterai, d'accord? Garçon! Bon, dis-moi, Adolfo, qu'est-ce que tu veux boire? On va prendre une bouteille de champagne, s'il te plaît. Parfait. Alors là, je dois dire qu'elle s'est surpassée. J'aurais jamais cru que Montserrat... Mais comment est-ce qu'elle a pu rompre avec Sébastien Poix-Marin? Il s'appelle comment, déjà? José Luis Alvarez, mais c'est entre nous, ça. Ouais, bien sûr, t'inquiète pas. Mais fais attention à ta sœur, mon pote, parce qu'à l'allure où ça va, elle va finir par danser ici. Mais non, elle sait pas danser. Oui, enfin, c'est pas ça l'important. Merci. Et sinon, dis-moi, ils ont fait comment pour se débarrasser de cet Alvarez? T'es au courant? Ma mère a fait jouer ses relations, elle a parlé avec le général Robledo, ou amiral, je sais plus, mais en tout cas, il l'a mis en prison. Oh les boules, ça fait peur. Eh ben, faut pas s'approcher de ta sœur. Ouais, enfin, surtout quand on est un simple marin. Je lui ai parlé, je lui ai dit, mec, laisse ma sœur tranquille. Mais il a pas écouté, et voilà où ça l'a mené. Bravo! On applaudit! Bravo! Bravo. Ouh, ouh, ouh. On applaudit la demoiselle! Allez, viens, viens, suis-moi, je vais te la présenter. Allez, on y va. Les garçons, comment ça va? Ça fait plaisir de te voir. Tu es arrivé quand? Bonjour. Bonjour. Adolfo Arguelles. Ravi de te rencontrer. Moi aussi. Tu connais Alessandro Almonte? Oui, pourquoi? Eh bien, il va épouser ma sœur. C'est vrai? Je te préviens, ne pense même pas à lui parler de nos affaires, tu comprends? Tu comprends? Mon chéri, ne t'inquiète pas comme ça, je ne vais rien lui dire, rien du tout. Vaudrait mieux pas. On est d'accord, alors tout va bien. Oui, tout va très bien. En tout cas, si jamais, je sais pas, tu venais à parler un peu trop, je n'ai qu'une chose à te dire, ma belle. Mon beau-frère est le nouveau maire d'Agua Azul. Un seul mot de ma part, et il fait fermer cet endroit. Mais tu ne voudrais pas passer le reste de ta vie en prison. Ce serait dommage de gâcher ce corps, pas vrai?
Je vous l'ai déjà dit, je ne vais pas dire un mot à qui que ce soit. Ouais, c'est bon, elle l'a dit. Allez, elle a compris. Elle bosse là, on va la laisser. Merci. D'accord. Ciao. Au plaisir. Je te jure, Lauro, la fête était vraiment géniale. Tout le gratin d'Agua Azul était présent. Et d'ailleurs, j'ai vu ton ami, tu sais, Ignacio Robledo. Il était content de savoir que tu étais en forme, que tu allais mieux. D'accord. Et tu lui as demandé s'il avait déjà parlé avec Dimitrio? Il t'a dit quelque chose? Oui, oui. Il dit qu'il a trouvé quelque chose pour lui. C'est un truc dans l'administratif. Ah. Et devine qui était là, Lauro? Qui ça? Alessandro Almonte, devine quoi? Quoi? Il a passé un long moment avec Montserrat, il discutait. C'est vrai? Oui. Crois-moi, Lauro. Je mets ma main à couper que ce jeune homme est tombé fou, amoureux de notre fille. Et en as-tu parlé avec Montserrat? Est-ce qu'elle t'a dit qu'elle aimait bien Alessandro? Elle l'adore, elle le trouve absolument parfait. J'ai bien vu comme ses yeux brillent quand elle le voit. Enfin, de toute façon, elle a insisté pour que je l'invite à dîner à la maison. Tu te rends compte? J'espère vraiment que Montserrat voudra avoir une relation sérieuse avec lui. Franchement, je trouve que c'est un jeune homme très bien pour notre fille. Je l'adore, moi aussi. Ma princesse, il faut qu'on parle. Qu'est-ce qu'il y a, maman? Tu sais très bien de quoi je veux te parler. Assieds-toi. Oh, Montserrat, tu ne sais pas à quel point je suis contente de voir que tu es finalement revenue à la raison. Tu sais, quand je te donne des conseils, c'est pour ton bien, crois-moi. Bon, écoute, Alessandro Almonte va venir dîner avec nous ce soir. Je sais, il me l'a dit l'autre soir. Et tu n'es pas contente qu'il vienne? Ce jeune homme est très intéressé par toi, ma puce. Il a les yeux qui brillent quand il te regarde. Imagine si tu finis par l'épouser, Montserrat. Tous nos problèmes seraient résolus d'un seul coup. Maman, je suis désolée. Peut-être qu'Alessandro te semble parfait à toi, mais pas pour moi. Il est banal. Mais non. Pourquoi tu ne lui donnerais pas une chance? Tu devrais apprendre à le connaître un peu. Écoute, je te jure que si tu fais un effort pour le connaître, tu tomberas amoureuse de lui, ma chérie. Maman, on ne tombe pas amoureux juste comme ça, ni pour toujours. Arrête un peu, reviens. Tu vas me répondre. Qu'est-ce qui lui manque pour que tu sois amoureuse de lui? Rien du tout, c'est pas ça, maman. C'est juste qu'on ne choisit pas de qui on tombe amoureux, c'est tout. Je ne vais pas faire semblant de m'intéresser à lui. Non, je ne peux pas me marier avec un homme pour lequel je ne ressens rien, enfin. Tu ne peux rien ressentir pour lui vu que tu es toujours folle amoureuse de ton imbécile de marin. Mais tu sais quoi? Il voulait juste te mettre dans son lit. Et bien évidemment, en plus, il a réussi à se faire de l'argent sur ton dos. C'est bien joué. Je te rappelle quand même qu'il a quitté la ville et t'a laissé toute seule avec l'air bête. Dis-moi, ça ne s'est pas passé comme ça? Réponds-moi, ma chérie. Non, maman. Non? Non. José Luis n'aurait jamais osé me faire ça. Je suis sûre qu'il y a une explication derrière tout ça. Oui, bien sûr qu'il y a une explication. Cette femme qui est venue te voir t'en a donné une, non? Il faut que tu comprennes que les bons à rien comme lui passent leur temps à berner les jeunes filles. Incapables de réfléchir, comme toi. Tu comprends, ma chérie? Montserrat. Montserrat! Tu vas la laisser tranquille un peu. Non, et certainement pas avant de la voir sortir de l'église au bras de ce bel Alessandro dans sa robe de mariée. Pas avant, Carlotta. Oh, ma chérie, qu'est-ce qu'elle t'a dit, ta mère? Elle m'a parlé de ma relation avec José Luis. Tu ne sais pas à quel point ça me fait souffrir. Qu'est-ce qui te fait du mal? Qu'elle parle mal de lui ou qu'elle ait peut-être raison? Oh, ils sont comme ça, les hommes, chérie. Ils profitent des femmes. Ils se moquent de nous. Enfin, pas tous, mais il y en a beaucoup. Je ne comprends toujours pas comment j'ai été assez stupide pour ne pas voir qu'il était en train de se moquer de moi. C'est complètement fou! Il m'a menée en bateau. Quel imbécile! Non, mais c'est pas vrai! Quel imbécile! Ne t'en veux pas, ils sont très habiles, c'est tout. Ils voient bien quand on est amoureuse et qu'on serait prête à faire n'importe quoi pour eux. Et ils en profitent.
J'ai beaucoup réfléchi ces derniers temps. Et j'ai remarqué que Ross et Louise trouvaient toujours une bonne excuse pour ne jamais devoir parler à mon père. Ne pas être en face de lui. Il s'est toujours justifié en disant que de toute façon, ma famille ne l'accepterait jamais. Mais non! La vérité, c'est que c'était un gros lâche et surtout un menteur. Il m'a demandé de partir d'Agua Azul avec lui. Je lui faisais entièrement confiance. Je croyais tout ce qu'il me disait, qu'il voulait être avec moi. C'est pour ça que je lui ai donné l'argent, c'est pour ça que je l'ai fait. Il m'a dit qu'on en aurait besoin pour la suite. Mais qu'est-ce qu'il a fait, ce chien? Il est parti tout seul, sans même essayer de me revoir, sans même me dire au revoir. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il m'a fait ça à moi? Pourquoi est-ce que tu as fait confiance à un homme pareil? Parce que je suis une imbécile, parce que ma mère a raison. Je suis naïve, crédule, non, stupide. Non, je ne vois pas d'autre raison. C'est de sa faute. C'est de la faute de cet homme et personne d'autre. Mais un jour, un homme t'aimera vraiment et il se battra. Il se battra pour être avec toi, pour être toujours à tes côtés. José Luis ne s'est jamais battu pour moi. Il ne s'est jamais battu pour moi. Et tu sais ce qui me fait le plus mal, Carlotta, c'est que je n'arrive pas à arrêter de penser à lui. Je l'aime tellement. Tellement, j'ai l'impression que je vais mourir si ça continue. Je meurs à petit feu. Non, non, ma chérie, s'il te plaît, ne dis pas ça. Je sais bien que c'est une expérience très douloureuse pour toi, mais avec le temps, tout va s'arranger, ma chérie. Tu finiras par l'oublier. Oui, je sais que là, tout de suite, ça te semble impossible. Mais tu verras, très bientôt, tu ne te souviendras plus du tout de cet imbécile. Je suis désolée d'insister, mais il faut que tu te focalises sur quelqu'un d'autre. Je sais ce que je dis, ma puce. Un nouvel amour peut faire oublier un ancien. Et en plus, parfois on est tellement obsédé par quelqu'un qu'on passe à côté de celui qui est là en face de nous, avec qui on pourra vivre une très belle histoire d'amour et qui nous aimera comme on est toute la vie.